Bonjour à tous, je suis Tony Delabrique, fondeur et CEO de Bead. Bead, c'est une marque que j'ai fondée, c'est de la smart food, une solution alimentaire pour les personnes smart et utiles, c'est-à-dire tellement importante qu'elles n'ont pas 30 secondes pour se faire à manger. Bead, c'est un repas complet et équilibré à partir de 40 centimes d'euros qui vous tapisse le bide grâce à un matériau innovant, le ciment, en tube, en intraveineuse, en suppositoire, d'où notre slogan « Quand j'ai la dalle, je m'en coule une ». J'avais la flemme de cuisiner, j'avais la flemme de faire les courses, de porter la fourchette à ma bouche, de me gratter, de fermer les yeux. Du coup, j'ai cherché des solutions alternatives à la cuisine. J'ai décidé d'élaborer ma propre recette en traçant un Excel ultra simple, répertoriant les besoins d'un être humain standard comme moi, c'est-à-dire un homme blanc, hétéro, diplômé de HEC avec un MBA. J'ai pris du ciment, de l'eau, du sel, j'ai fait du béton, je l'ai mangé et j'ai pas eu faim pendant une semaine. Après, ça s'est enchaîné très vite. Les collègues, les amis ont commencé à se faire des chapes de béton au fond de l'estomac avec Bead, à m'en redemander. Puis, ils ont mis les photos des parpaings qu'ils éliminaient le dimanche suivant sur Instagram. Là, on fait un énorme buzz. On lève 20 millions, on recrute 60 stagiaires, on fait BFM Business, je donne une interview pour la chaîne Les Mutants. À partir de là, je sais qu'il y a de l'attraction autour du projet. On va changer le monde. Mon plus grand succès, c'est d'avoir réussi à obtenir le soutien d'un des plus grands chefs cuisiniers français, Thierry Spencer. Ça s'est fait de façon assez naturelle, même si à la base il n'était pas très friand parce qu'il est très dans le zen, ralentir, le slow, etc. En témoigne son look de yogi avec son col mao, chauve, tout ça. Je pose 1 million sur la table. Là, soudain, il a les cheveux qui poussent et il me dit « Tu sais, mon Tony, jusque-là on se vouvoyait, mais d'un coup il s'est mis à m'appeler mon Tony. Tu sais, mon Tony, selon Einstein et Confucius, le temps, la vitesse, ce sont des notions relatives. Il faut parfois savoir prendre ce que nous donne la vie, être dans une forme d'acceptation. » Et il prend le 1 million d'euros et à partir de là, commence une très belle histoire entre nous. Mon plus gros échec, c'est d'avoir parfois travaillé avec les mauvais partenaires. On a bossé avec le Roi Merlin Foods, Castorama Biscuits, Lafarge Gourmet. Ils sont trop dans l'économie réelle. Ils n'ont pas cette capacité à dilapider les fonds aussi vite que nous. Ça ne suit pas. Mais comme dirait Churchill ou Idriss J. Aberkan, je ne sais plus, je le mets à peu près au même niveau, l'échec est un diplôme. Donc je me suis relevé, j'ai commandé L'Art de la Guerre de Sun Tzu sur Amazon. Je l'ai lu en 12 secondes et ça m'a donné la rage pour activer le mode guerre. J'ai dit à mes stagiaires, l'économie réelle, ça suffit. Le produit, le ciment, je gère. Au pire, on pivote, on fait du plâtre. Restez focus sur le cœur de notre activité, ce qui lui donne du sens, les réseaux sociaux. Insta, Insta, Insta en mode sponsorisé. Vous me passez la journée à répondre aux commentaires des haters et on capitalise sur le reach que ça génère. Mon objectif, il est simple. Servir 65 millions de repas de Noël en suppositoire d'ici 2030. Et qu'en 2040, on arrête de parler des 5 sens. Je pense que 4 sens, ça suffit. Prenez par exemple moi. J'ai perdu mon sens du goût, et bien ça m'empêche pas d'être une personne humaine, c'est-à-dire standard et performante.